Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti. Tant que l'autre bord de l'eau, jeudi, c'est lundi 29 janvier 2024. Bienvenue dans le journal, dans la première édition nous pour jeudi, en collaboration avec VOA Créole. Actualité a dominé sur le plan national par trois journées de grève par brigade syndicale anticorruption BESAC qui était lancée depuis jeudi. Pour arriver 31 janvier 2024. De l'autre côté, amis internautes, une grosse manifestation lancée dans plusieurs départements dans le pays d'Haïti, tant que Okaï, Jérémy, Tigouave et plusieurs autres villes, ça mettait gros tête chargée dans l'idée pour courir derrière Ariel Henry, qui lui-même estimé qu'il n'a pas réglé rien dans le pays d'Haïti. Dans l'actualité, sous plan international, 9 pays coupés fonds pour réfugiés et bien palestiniens, comme quoi que, et bien situation supposée était toujours difficile pour les gens qui trouvaient dans Gaza, malgré ces gros monde qui gagnent possibilité qui couper fonds, ça, bagaille compliqué pour les gens qui trouvaient en dedans Gaza. C'est tout pour ça yo ak divers lot nous va gagner pour nous développer pour vous. Dans journal ça, restez connecté avec nous yon façon pour bien informer. Yon autre fois encore, go bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans développement journal si là. Trois journées grève annoncée par brigade en syndical anticorruption BESAC. Eh bien, pendant trois journées de grève, ça, Gagné Samson lui-même qui était mis en tête ensemble avec toute coéquipe Lyo, de façon pour que capable de courir dans l'idée, pour courir derrière le gouvernement Ariel Henry et pour forcer à débloquer la route Mariani pour que l'activité capable de fonctionner normalement et que l'activité monde capable de sortir en dedans. Grand Sud là pour entrer dans Port-au-Prince et moun capable sortir dans Port-au-Prince tantôt pour aller dans Grand Sud. Et bien yo estimé Premier ministre Ariel Henry lui-même qui pas régler rien dans tête gouvernement ça, et bien 3 journées grève ça lui-même l'était lancé yon façon pour capable forcer lui-même d'être capable de travailler en dedans pays d'Haïti. Et bien pendant 3 journées grève ça, gagné divers ti moun rete la caillou, porte l'école rete fermée, en pile moun rete la caillou sans que pas gagner fonctionnement et plusieurs autres activités, plusieurs autres business, porte yo rete fermée pour jusqu'à 3h et 4h dans après-midi. Plusieurs machines nan te rete la caillou, plusieurs moto, chauffeur moto obligé rete la caillou. Pendant ce temps, gen divers lot, gen divers lot chauffeur gen yo même qui obligé sorti pour que yo même yo capable aller chercher la vie. Et bien journée grande, premier journée grève ça pour en pile monde, c'est une réussi et pour en pile monde tout, et bien c'est une défaite liée parce que gen plusieurs machines bus Delma, bus Pétionville ak plusieurs autres camionnettes et qui sorti pour que yo même yo aller chercher la vie parce que yo va décider camper ensemble avec brigade syndicale anti-corruption qui c'est BESAC qui était lancé qualité gros qualité gros grève ça contre Premier ministre Ariel Henry. Yon l'autre côté gagner leader petit Dessalines lui-même qui était lancé gros journée manifestation qui va gagner pour que capable l'en commencer jeudi à pour arriver jusqu'à 7 février content Premier ministre Ariel Henry dans l'idée pour que capable permettre que lui-même ni racheter Mayocli dans pays d'Haïti. Et bien gros journée manifestation ça en dedans au cap plus divers partisans partis politiques petite Dessalines yo mette corps de yo pour que même yo capable manifester pour capable courir derrière Ariel Henry. En pile monde nan te trouvé yo dans plusieurs endroits, et bien côté que yo même yo prend yo cercueil yo mette a marqué André Michel fait divers grands cérémonies dans divers coins dans plusieurs départements dans pays d'Haïti pour voir comment que yo capable chanter funérailles Ariel Henry ensemble avec André Michel de façon pour que yo même yo capable quitter pays a pour rachement yokyo pour que capable bay terrien pour moun ki capable diriger pays d'Haïti pour capable fonctionner libre et libre. En ben dans sens ça gagné au kay tout li même quitter sorti zami internautes al manifester gagné te gagné affrontement entre la police ensemble avec plusieurs manifestants parce que manifestants yo même qui te mette caoutchouc yo mette barricade dans yo même pour que pas gagné passage pour aller aucun côté, et bien ça c'est directement en dedans
quatre chemins en dedans ville Okaïa. En même temps, il y a dans ville Tigouave, côté que moun yo même yo soti zami internaute yo relé Guy Philippe pour que capable vienne arrêter Ariel Henry yon façon pour que capable gen un monde qui pour remplacer Ariel pour que même yo capable et bien fonctionner libre et libre yon croqué pour que capable retirer Ariel Henry là et que gang yo même capable joindre monnaie pièce et que population capable fonctionner janke yo doit fonctionner même gens tout monde fonctionner dans tout pays alors que dans ville Jérémy gen plusieurs endroits côté que dans même quatre manifestations ça gagnent plusieurs endroits côté que yon waf. Ensuite, gagné un central EDH là, côté que yo t'ap manifesté devant endroit sa yo, yo pa accepté pour que capable faire désordre, mais quand il s'agit pour entrer en dans sa yo, pièce côté pas capable fonctionner et surtout amis internautes dans bloc côté pour ta passer pour entrer dans aéroport là, et bien population manifestant yo, yo pas de bail possibilité ça ensemble avec qui avec pièce moun pour entrer en dans. Parce que c'était une opération qui était lancée et surtout ça qui est relié opération débrancher Ariel Henry lorsque nous voulons parler directement en dedans Tigouave tout côté qui eux même ont lancé opération ça parce que avant 7 février population en dans ville Tigouave dit faut yo déboulonner Ariel Henry. Sami internaute situation li vraiment dégénéré ayer gen yon dame ki couché la kayli nan de côté ki nèg yo même yo attiré nan question insécurité ça et ben dame ça li arrivé prend yon bal nan kou dame nan li rivé li mouri sou place et yo pa arrivé identifier dame ça ki est que li même lié parce que ça c'est exactement en dedans Delma 10 tribunal la première gen tribunal la plus gros cour suprême qui gagne dans le pays Kenya, yo même yo prend toute décision pour que yo même yo pas rivé voyer soldat Kenya ou dans pays d'Haïti, ça a qui était une véritable tête chargée pour pays d'Haïti et pour Ariel Henry, c'est une plus gros soufflette que lui même li t'arrivé prend et ça pas arrêté là et yo gagne Eric Stoumayer qui s'est chargé d'affaires dans pays d'Haïti pour pays américain et bien dans pays ça et bien il déclaré après que Haïti fin prend coup ça zami internautes pour capable continuer soutenir premier ministre Ariel Henry yo même yo prend décision capable et bien gagne notre force qui pour entrer dans pays d'Haïti parce que gen sa kirelo madame mademoiselle et monsieur transition par remplacer transition c'est une seule transition qui pour organiser élection yo gen en tête pour que Ariel Henry capable rester sous pouvoir pendant gen Guy Philippe lui-même qui lancé gros révolution qui gen pour fête là avant 7 février Ariel Henry lui-même soit qui li là ou bien pas là mais si toutefois li ta là zami internet qui pas ta lâcher pied là et bien Guy Philippe lui-même là entré dans Port-au-Prince pour que révolution ça lui-même li capable faite dans pays d'Haïti. Pendant ce temps, gagné un gros kidnapping qui fait des amis internautes, gagné plus que 10 dizaines marchands de madame Sarah, yo même qui t'ai trouvé dans quoi bossal et qui t'a quitté bloc ça pour que capable monter dans bloc Keskov pour y aller la caillou nèg examen yo même yo débarqué sous machine ça yo prend toutes mesdames yo aller ensemble avec yo gagne Justine ni même qui c'est présidente rassemblement de madame Sarah d'Haïti et bien lorsque lui même li fait passer et bien annonce ça gagne en pile monde gros pas capable rester dans yo maman papa petite ensemble avec et bien moun ki ou même yo responsable moun sa yo situation paraît compliquée et gang yo même yo mande zami internautes $250,000 américains pour les parcs même qui gen même couleur avec pied pour vêtement pour capable libérer otage sa yo et annonce sa zami internautes lorsque nouvelle ça li rivé et bien dans oreille moun ça li rete yon véritable tête chargée dans oreille tout monde jacque tout monde même yo attendé à gagner dimanche qui s'est passé à côté que avant même yo te fait inauguration après inauguration yo fin fait ça inauguration locale
et Ramsa lui-même, eh bien, hier dimanche là, nèg exam bandi rivé roulé le malou pas rivé identifier qui est-ce qui fait action si là. Dans Moyen-Orient, situation lui-même li compliqué pour Palestinien yo, gen 9 pays, gen 9 pays qui coupé fond pour réfugiés palestiniens yo, alors que nous connaît gen l'Allemagne, gen les États-Unis, yo tout yo là, yo gen des monde qui gen gros moyen qui pou ta aider bien monde ça qui trouvé en nécessité pendant guerre Israël Hamas li même li a continuer gagner yon problème humanitaire en dedans Gaza côté que moun yo même yo nan guerre y a mouri yo pa gen moyen de vivre yo pa gen de l'eau pour yo bre chaque jour qui a passé et bien moun yo même c'est mouri a mouri en bas coup de balle pendant y a mouri en bas coup de balle y a mouri grand retour situation compliquée et bien pendant ce temps gagner 9 pays qui coupé fond pour réfugier ça yo parce que yo même yo estimé moun ça yo yo té prend yon valet israélien côté té kidnappé yo aller avec yo depuis le 7 octobre qui s'est passé et jusqu'à présent yo kembe et bien moun sa yo pas décidé libérer yo et Israël yo même yo fait comprendre tout autant que yo même yo existé quel que soit n'importe moun qui trouve yo en dedans Gaza et bien yo même y a pas exterminé tout et lorsque fin tout et tout yo même yo capable quoi que yo pas main zam encore parce que quand il s'agit du peuple Gaza faut yo fini avec tout en général. Madame, mademoiselle et messieurs, moment arrivé pour nous que nous-mêmes nous capables mettre vent dans voile nous. Nous remercions de ce côté pour une attention soutenue ensemble avec la première édition Journal Créole en collaboration avec un VOA Créole. N'a quitté ensemble avec VOA pour plus de détails. M'a rappelé au monde qui t'a présenté au journal jeudi à cité Zamion Jiri Chiristal. Plus de détails avec VOA Créole.
la vie à l'autre côté. Puis les migrants qui sont dans l'Amérique centrale là marchent ensemble pour protéger les têtes contre l'insécurité qui gagne dans une série de zones au Mexique. Nous n'avons pas de travail, les entreprises cerrando. Paola Silva, un autre immigrant hondurien, parle pour dire nous n'avons pas de travail dans le pays. Nous, entreprises a fermé les portes, nous n'avons pas de l'autre choix que courir quitter le pays pour l'autre côté. Si bon Dieu voulait, nous avons privé ensemble, à cause c'est ensemble nous avons démarré, nous avons privé aux États-Unis ensemble dans nos grands-mères là. Une porte d'entrée favori immigrants utilisés pour entrer aux États-Unis, c'est Piedras Negras côté mexicain avec Eagle Pass dans l'État Texas. Gouverneur Greg Abbott a installé une série de barrières flottantes avec fil barbelé dans zone là pour empêcher immigrants de rentrer dans l'État sans document légal. Gouvernement fédéral là a déclaré décision illégale et a demandé intervention Cour suprême États-Unis. Lundi 22 janvier, Pigo, instance judiciaire États-Unis, a demandé garde fédéral avec sécurité frontière pour retirer fil barbelé. Une demande qui est pas capable d'exécuter à cause du gouverneur Abbott couché en quoi contre lui. Plusieurs États dans la zone frontalière ont déployé garde nationale pour aider le gouverneur Abbott à empêcher garde frontalière États-Unis d'exécuter la décision Cour suprême. Non. Pendant ce temps, le Congrès américain a une lutte pour d'accord sous mesure réforme immigration. Gouverneur démocrate dans 9 États a ajouté voyou sous appel qu'a demandé pour gagner action qui prend dans ce sens-là. Dans le temps qu'a joué le président Joe Biden avec leader républicain démocratique dans le Congrès, le gouverneur démocratique a demandé action définitive nécessaire pour supporter l'État qui a des difficultés pour faire face à la quantité d'immigrants qui a débarqué la caillou dans le mois qui passé. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Maryland. Actualité à Konya mené nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël à Masla a continué pendant que gagnent 9 pays environ qui coupaient fonds pour réfugiés pays palestiniens dans l'ONU. Nous parlons de détails avec Gentil Augustin Junior. Pour pipiti, 9 pays qui gagnent là-dedans, gros donateur en coup États-Unis à Kalmaï, coupé financement Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens. Après accusation Israël, sous quelques employés liés, te soi-disant participé dans attaque mortelle à Masio sous peuple Israël là, dans date 7 octobre là. The Secretary General is horrified. Secrétaire général là, Gen La Perez, ak nouvel sa. Elite mande Monsieur Lazzarini pour le mener enquête sous affaire ça, sa, sans perdre de temps. Et puis, assurer que n'importe employé agence là, qui t'a participé, ou soit qui t'a fait partie, ça qui t'a passé 7 octobre là, ou soit n'importe l'autre activité criminelle doit suspendre immédiatement et puis référer lui pour potentiel poursuite criminelle. Secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres te promet dimanche 28 janvier pour le rendre compte n'importe employé Nations Unies qui impliqué dans actes terroristes. Bon côté parle ambassadeur Israël là dans l'ONU Gilad Erdan te déclaré. Every UN body has become tout organe Nations Unies yo tourne armes contre l'État juif là, exploité comme un instrument pour aider dans l'élimination peuple moyen. Dans qui point ça symbolique? Dans qui point li symbolique dans journée internationale souvenir Holocauste là? Yo te révélé que employé agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens te participé dans massacre là. La Maison Blanche te réagit sous mesure que États-Unis prend pour suspendre agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens après scandale que employé liyo ta participé dans la guerre Israël Hamas 7 octobre passé. Nous suspendons toute activité en dehors UNRWA, agence secours à travail Nations Unies. Au soir, qui peut recevoir l'argent en attendant résultat enquête ça. Li évident, nous pral continuer contrôler situation très près. Comme secrétaire Blinken te dit clairement dans appel li bay secrétaire général la hier, nous espérer ça c'est une enquête complète, approfondie et transparent. Moun Gaza yo qui ap vive nan camp remplacement tout près camp Younis te dit coupé financement c'est une catastrophe pour palestiniens yo. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens, c'est la vie nous. Qui est-ce qui pral ba nous manger à glou après la guerre? Porte-parole président palestinien Mahmoud Abbas te réagit après décision ça. This decision is
Décision ça pas correct. Et yo ta dwe suspend immédiatement. Nous mandé tout pays sa yo pour yo rembourser agence lan parce que c'est un problème humanitaire. Li te prend nan mauvais moment et nous espérons que yo pral tourner bientôt pour comprendre que besoin moun yo nan Gaza à tout côté, c'est une nécessité pour continuer vivre sous terre ça. Agence Nations Unies pour réfugiés palestiniens est établi pour aider réfugiés qui sortis dans la guerre 1948 et puis li bay service éducation, santé ak aide pour palestiniens dans Gaza, Cisjordanie, Jordanie, pays Syrie ak nan pays Liban. Di jodi lundi a, li pap capable continuer opération li nan Gaza ak nan région an pi loin nan fin mois février ya. Si financement yo pa recommencé. Gentil Augustin Junior, Maryland pour VOA Creole. Merci, gentil, ou toujours sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. NION, nous voulons dire National Haitian American Elected Official Network, et qui c'est réseau national élu haïtiano-américain, et bien réalisé pendant le week-end 15e sommet sous leadership dans Washington DC, avec présence plus passée 70 élus ou bien nommés, et avec plusieurs membres congrès américain. C'était moment tout pour président NION, Charnette Frédéric, mais passé Maya Baye, il y a un nouveau président qui c'est vice-magistrat ville North Miami, Marie estimé plutôt Irvin. Entendez yon après l'autre, président sortant avec président nommé. Premièrement, moi dire merci Voix de l'Amérique avec Jacqueline Benizia qui était là avec nous, m'était fait appel avec la Voix de l'Amérique où t'es dit oui. Moi t'ai pensé, il était important pour nous les médias, pour nous les communautés, pour nous voir qui est nous en tant que une organisation. Eh bien, il était plus important toujours pour me passer bâton par l'autre président organisation ça. Eh bien, premièrement, nous travaillons en pile. Moi dis merci avec Bekwap Community Committee, spécialement Claudette David qui était chef Bekwap Community ça année ça. En vendredi, nous te gayon lunch nous qui notre speaker nous c'est US sénateur Marquis qui était là à cause de Macha Souchet Kakousa qui ont bonne relation. Là la parler, il comprend problème haïtien mais une bagarre nous dit nous connaissons le problème par nous, c'est pas dit blanc qui ça peut faire pour nous et qui ça nous même pas dire pour faire pour communauté en advocacy. Jeudi, nous avons eu un sénateur Warhouse from Moralen. Et bien, sans ni jamais et ne va la fortune, ça ne peut pas réaliser. Imaginez seulement deux membres, nous mettons nous avons eu un sénateur ici dans l'event. Le travail n'est pas fini parce que nous avons fait un bon panel. Comment pour nous avocer, ça veut dire comment pour nous faire contrôler cause. Et nous allons continuer le travail pour nous voir comment pour nous capables arriver plus devant. Il y a une chose qui est plus importante, pas oublier, passer le bannier avec Tchalek là. Mais ça nous est aujourd'hui, parce que 70 ans, nous avons fait photo ensemble. Ça veut dire pas seulement nous connaissons, nous existons, nous continuons à mettre tête ensemble pour nous travailler pour une communauté qui a besoin. Un groupe de nous qui est vraiment fort dans la nationale communauté. Bon, c'est avec un pile honneur et respect que moi prends responsabilité ça pour que moi ka voir communauté haïtienne nan aux États-Unis. Mais ça qui yon nan bagay que moi qui très touché que m'a également en voix ou bien Neon a en voix pour influencer et policy pour Haïti. Pour Haïti, pour que nous fassions une différence en Haïti. Donc, c'était un programme qui a commencé dans jeudi avec un tour dans la Maison Blanche. Et après, tu as gagné un programme encore dans vendredi. Et samedi, tu as gagné un gros gala avec participation au groupe Café Fureux qu'on y a en parlant de Zafem avec maestro Denier Seyid et chanteur bien sûr et Kangé Samblié Paul Al-Sadat qui c'est un comédien et très spécial là pour nous retourner encore sous cause ça parce qu'il y a plusieurs distinctions qui te baillent notamment député américain Sheila Sherfelis McCormick.
Actualité concernant le pays d'Haïti, réaction incertitude après que le tribunal pays Kenya prend décision de bloquer le déploiement force police dans le pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis. Depuis que Pigou tribunal pays Kenya a pris décision bloquer déploiement force police là en Haïti que Nations Unies a appuyé pour aider combattre gang dans pays là dans date vendredi 26 janvier passé là action ça a créé une incertitude dans mitan classe politique là en Haïti ou à l'étranger. Juge au tribunal pays Kenya après discussion a décidé que déploiement force là est considéré comme illégal parce que Conseil sécurité nationale pays Kenya pas gain autorité légale pour voir force police pays yo dans mission dans l'autre pays. Président Kenya, William Ruto, te dit que le pral fait appel contre décision ça. Mais le pas clair combien de temps ça qu'apprend. Et il pas connaît tout si l'autre pays qui eux-mêmes te promet de voir force police par eux pour renforcer mission multinationale là, a considéré aller en Haïti pour compte par eux. Bon côté parle, porte-parole département d'État américain, Matthew Miller, te sorti une note de presse pour le dire. Et n'a pas cité. États-Unis renouvelé Cipolli pour mission multinationale là pour support sécurité en Haïti. Les États-Unis prennent note de décision tribunal supérieur République Kenya concernant déploiement police Kenya pour supporter mission multinationale là pour support sécurité en Haïti avec intention gouvernement Kenya te déclaré pour contester décision ça. Fin de citation. Gouvernement haïtien te réagit tout dans une note pour la presse. N'a pas cité. Gouvernement pays Haïti remercie peuple Kenya avec président William Ruto parce que il a accepté prendre leadership mission multinationale pour support sécurité en Haïti MSS. Gouvernement a suivi Jean dossier ça évoluer dans pays Kenya et il était quoi que a gagné une évolution rapide et puis positif. Fin de citation. N'a pas rappelé que d'après rapport et statistiques Nations Unies fait quantité monde que t'est tué année passée en 2023 en Haïti doublé pour arriver presque 4500 et puis quantité kidnapping selon rapport a été augmenté par plus passé 80% arrivé presque 2500 cas de kidnapping pour année 2023 ça. Pendant ce temps, police nationale Haïti a perdu officiers policiers avec un pourcentage alarmant. D'après un rapport Nations Unies publié semaine ça, plus passé 1600 policiers ont quitté le département police PNH l'année passée. Il a été rapporté que 48 autres ont mouru. Pendant que policiers qui ont même toujours été au service de la police là, a continué à faire face à menaces et à risques, puis ont mouru dans le gouvernement dans le pays. Pourtant, en pile haïtien dans le pays, il n'y a pas d'accord ou soit des doutes sur la capacité des Nations Unies, ensemble avec le déploiement de troupes étrangères, pour résoudre le problème de gang que Haïti a fait face avec lui. Et si Kenya n'a pas d'accord pour les soldats ici, et la police nationale nous gagne, et l'armée nous gagne, et les sacs nous gagne, nous gagne des gens qui peuvent y aller, parce qu'ils sont disposés sur le mouvement. Moi, je ne parle pas étranger qui a des solutions en Haïti. Au contraire, c'est un géant étranger qui met des côtés de nous. Si pas de géant étranger, ça va passer en Haïti. Je vous dis, moi, c'est le pays qui a fait pas en avant. Tout le pays, regardez le pays africain, je vous dis, qui t'a considéré comme des pays qui a récupéré la dignité, c'est mon lacay qui fait. C'est nous, les Haïtiens, qui vont entendre nous, les Haïtiens, qui vont dégager nous. Et ça va faire entendre. Parmi l'autre pays qui ont même été planifiés pour voir les forces police par en Haïti, il y a pays Bahamas, pays Jamaïque, pays Belize, pays Burundi, pays Tchad et pays Sénégal. Mais en attendant, déploiement mission multinationale pour support sécurité en Haïti à MSS reste campé pour le moment. Pour VOA Creole. Valérie Saint-Louis depuis New York. Oui, toujours sous même dossier, ça a un certain leader politique haïtien dans la société civile là qui a une opinion dépamment après annonce des États-Unis et fait pour dire que la continue à soutenir mission multinationale là, malgré la justice Kenya interdit policiers de débarquer dans le pays d'Haïti. Nous avons sous place dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Dans le moment, le gouvernement président kenyan, William Ruto, fait appel concernant la décision. La justice paysan qui interdit policiers kenyans participer dans la mission multinationale soutien à sécurité en Haïti et puis réitérer soutien les États-Unis d'Amérique par rapport à démarche ça, président conseil national société civile haïtienne Joseph Domingue Ojela plaide en faveur support administration Biden pour combattre gang armé dans le pays d'Haïti. Si Américains voulaient aider les haïtiens tout bon vrai 100 millions de dollars ou 200 millions de dollars la baie pour faire ça, investir en forme de sécurité là, entraîner pour nous. Américains n'ont pas besoin de nous s'ils veulent aider nous là. Ils n'ont pas besoin de faire déclaration sur ça. Si Américains voulaient aider les haïtiens, qu'ils aident le Kounia et dans 3-4 semaines, tout le problème résolu ici, il suffit que les Américains veulent le faire. Donc, on parle ancien député Serge Jean-Louis, qui est leader Force nationale pour démocratie FND, croit c'est plus moyen la police. Avec l'armée d'Haïti besoin pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays.
Les Arabes d'Amérique, c'est ça pour nous faire. C'est ce boulot ça pour nous faire, pour nous bailler comme si haïtiens de tous côtés nous liés. C'est pour nous demander pour la police nationale, pour renforcer la police nationale, pour mettre des moyens économiques, des moyens économiques appropriés pour vous. Vous comprenez la force armée d'Haïti, hein, qui là, il va faire un, il va toucher chaque mois. Il va toucher chaque mois, il va faire un. Il y a un problème qui est en Haïti, et puis ces soldats, de l'autre côté, nous décidons pour nous prendre une nouvelle. Nous allons faire ça nous-mêmes. Donc, clair sur ça, sur position, pardon. Donc, une position qui est adaptée à la nouvelle réalité, ça, c'est clair. N'insistez sur ça. Baille la police nationale, là, les moyens logistiques, techniques, économiques, financiers appropriés. Et puis, force armée d'Haïti, gouvernement d'Amdou là, mettez au travail, baille au l'ordre établi, au recommandement responsable, que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée. Samedi 27 janvier 2024, passé, hein, les États-Unis d'Amérique, tu fais connaître que libre acte par rapport à décision pays Kenya adoptée suite à justice pays ça qui interdit mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis pendant ce temps, gagné 3 journées grève sur Haïti, sur Port-au-Prince, ou bien tout pays. Premier journée, c'est jeudi. Pendant ce temps, gagné gouvernement lui-même qui dit pour que population capable continuer eh ben et vaquer à occupation yo. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. 3 journées grève qui lancée dans Port-au-Prince sur initiative brigade syndicale anti-corruption semblée par ébranler gouvernement haïtien qui mandait population pour vaquer à occupation. On a rappelé objectif grève ça, c'est pour dire non à phénomène insécurité et puis réclamer démission premier ministre Ariel Henry face à menace gang armée qui continue à semer panique dans pays. Non pas doit prendre décision en tête chaud, non pas qu'à reprendre même manœuvre passé yo, ça qui contribue à aggraver situation pays et c'est ça gouvernement écrit dans une note pour la presse. De l'autre côté, le gouvernement dit la suivre évolution dossier déploiement policier Kenya dans le pays d'Haïti. Il remercie différents pays qui annoncent support pour rétablissement de l'ordre et sécurité dans le pays. Plus loin, le gouvernement demande différents secteurs pour mettre tête ensemble, ce qui est capable de faciliter dans le cadre de transition une gouvernance collective et inclusive et puis organisation élection générale dans un meilleur délai dans le pays. Enfin, dans notre ça, le gouvernement invite les peuples haïtiens pour garder calme, pour renforcer l'ordre constitutionnel. La population doit veiller pour ne pas prendre un piège avec intimidation. Bon côté, Sila yo, qui a fait campagne désinformation avec menace violence, selon sa gouvernement, dit dans notre Sila. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, on y a la prochaine, Massado Vilme, sous actualité à Port-au-Prince, toujours avec question grève. Tout qui ca dit un mot pour pays là dégage parce que m'a souffri quelques marchands avec chauffeur moto qui d'accord parler dans micro avec devant caméra dit d'accord pour premier ministre Ariel Henry qui était pays à 7 février qui venir là selon citoyen avec citoyenne Silayo chef gouvernement pas fait rien pour résoudre crise insécurité là moi pour ça février pour Ariel m'a paquet ni pays là pour Ariel là aller pour Ariel aller libérer pays ça nous pas vivre encore ça ca gagner couper tête bouler caille son tête ensemble qui pour ta gagner mettre bagaille là dedans alors comme c'est porter non c'est lui même qui porter non ministre qui porter non toute bagaille président nous obligé dit ça mais pas gagne monde qui te reconnaître mais c'est qui est-ce qui t'a voté même pas dans tromper droit même pas dans voter maintenant sous pouvoir moi même nous doit aller après midi 7 février quel que soit nous préparer pour quel que soit pas préparer faut qu'Ariel bon nom territoire quand même passer petit bon pas capable résister là avec genre des systèmes ça système compris ça on va une fois Ariel bon terre quel que soit le ou la façon allez pour aller Ariel qui bloque pays là par l'autre monde nous t'a dit intel pas bon ouais Ariel là ça va gain pareil 7 février pas douce il va laisser kembe pour pas aller mais pas douce pour lui parce que s'il va éviter aller à bomber descendre pays parce que bon groupe de gars zam dans pays à tout qui décidait goumer en face à Ariel. Quelque l'autre même quoi, 7 février doit une journée de dialogue pour mener pays à sous route élection. 7 février n'a symbolisé dialogue parce que c'était dans tête ensemble nous avons découvert la démocratie, nous avons joué chemin liberté, chemin dialogue. Et ça fait nous dire pays à Ariel Henry, mettez plus chaise, mettez plus chaise, plus table. C'est dialogue élection tête ensemble cap bien. Pas bien, 7 février son date à coup de date. C'est dans la sécurité quoi, c'est dans l'élection quoi, c'est dans le dialogue. Nous même la chaîne nationale, nous avons celle décision Ariel Henry.
C'est sécurité besoin la mère Ariel Henry. C'est élection besoin. Ça veut dire transition pas monter sous transition. Là nous dit 7 février. 7 février son jour même j'ai toujours lieu. 7 février son jour de dialogue pour nous connait qui j'ai après Haïti dans sa lier. Son jour pour nous ca penser, pour nous dire paix à Marie Galari, en faire tout moyen possible pour nous escaguer sécurité élection que vous faites pour pays Haïti quoi dans sa lier. Cependant, coup de balle passé spon chanté dans mitan groupe civil armé yo cap troqué connio pour territoire dans région métropolitaine là. Et puis Port-au-Prince, moi c'est Mathias Dovilme pour Voix Créole. Et bien, comme on dit aujourd'hui, 29 janvier, c'est une journée grève. Et bien, il y a plusieurs communes qui sont paralysées dans le département nord-est, là, dans le cadre de gros mouvements levés, campés qui gagnent dans le pays, dans le jour qui se passe là. Plus de détails avec le correspondant nous, Jodley Junior Saint-Ville. Gros vent panique a soufflé sur le département nord-est, là, depuis hier dimanche, là, dans le soir, pour arriver matin le 29 janvier 2024, là. Dans la commune Tankou, Trou du Nord, Terrier Rouge, Fort Liberty et Wanamet, activité au ralenti. Caoutchouc qui a boulé, barricade qui dressé, empêché circulation moun ak véhicule, qui donc transport public là paralysé. Dans ville Fort Liberty, pour toute l'école yon été fermé, bureau l'État, la banque pas fonctionné. Route nationale numéro 6 là, dans zone Terrier Rouge ak Malfetti bloqué. Employé Code Vio dans Wanamet, pas qu'à al travail, à cause en pile balle, bouteille, accroche, capturé presque dans toute direction, dans zone en Bagaya, cité de la lumière. Plusieurs agents brigade sécurité et à protéger, BESAP, a circulé à gros âmes dans main. Protestataire sous dépôt rivière Canaria, qui n'a entré ville Wanamet là. D'après protestataire, mouvement levé campé ça a commencé dans ville Wanamet, département nord-est, ça a environ 2 semaines. C'est dans l'idée pour poter coller avec lancement révolution ancien commandant, sénateur élu Grand-Anselin, Guy Philippe, annoncé à Jodley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Créole. Et puis, quand nous allons parler de formation journaliste dans Miami, nous allons gagner des détails avec Jean-Marc Hervé Abelard. Soti 25 et 26 janvier 2024 là, yon groupe journaliste correspondant service créole La Voix de l'Amérique qui soti Haïti participe dans un atelier formation sur journaliste digital, nouveau audience, technique montage vidéo ak pale yo de technologie intelligence artificielle là et AI. Séance formation ça qui te déroulé dans la cour Miami pral permettre journaliste participant yo vin plus performant dans travail yo. Quelques journalistes qui ont des formations là, tu parles pour dire qui j'ai formation ça pour utile. C'est une formation qui est faite à l'initiative de la Voix de l'Amérique. Nous connaissons que VOA les responsables toujours care pour employer en termes de formation. Donc formation continue et nous croyons que en plus de formation ça, nous sommes pour un show qui j'aime qu'à pratiquer hein, et métier journaliste. Non? Et que ce soit les affaires interview, les affaires reportage, les affaires editing. Donc c'est une formation justement donc qui permet nous Jean Joulan et exercer profession puis bien et même connaissance nous gagner hein, partager avec d'autres confrères dans perspective pour nous rendre corporation beaucoup plus professionnelle. Il y a 2 jours de formation qui était vraiment très enrichissant puisque et gagné la donnée et comment technique journalistique pour aux journalistes qui a travaillé sous terre en Haïti et puis tu gagnes tout et meilleure façon que au capable faire un montage professionnel et puis tu gagnes directrice nous sera lui-même tout qui est venu avec des applications qui vraiment avancées pour être capable permettre nous mieux faire travail là. Il y a un pile bagage que nous apprendre nous-même en tant que journaliste non pas te connaît et que jodi a grâce à formation ça nous connaissons, par exemple, il y a un pile d'erreurs que nous avons fait dans le montage. Il y a une différence entre un journaliste qui a édité une vidéo et avec un autre monde qui a édité une vidéo et pour la fantaisie. La différence est importante pour que nous connaissions. Parce que nous-mêmes, c'est technicien de l'information, on a besoin d'informations, bon gens pour nous bailler, informations, bon gens pour nous livrer sur nous. Donc, c'est que son formation qui.
Voilà, c'était formation ça qui était faite dans Miami, Floride. Et Sandra dit qu'elle était content avec confrère. Nous dit Sandra, bon retour. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention, nous merci pour fidélité. Nous. Donc, nous avons cassé rendez-vous pour demain pour un autre rendez-vous info. Moi, c'est Jacques Belizère. Bonsoir.